le tout petit de 0 à 3 ans, il va passer par deux phases principales. La première phase, entre la naissance et 18 mois, 2 ans, est la phase qu'on appelle la période sensorimotrice. Donc, il va développer quatre grandes compétences, l'espace, le temps, la causalité et la permanence de l'objet, et tout ça, il va le faire juste dans un ici et maintenant. Il n'est pas encore capable de mentaliser en pensée les actions qu'il est en train de mener. Les sens ont vraiment une importance et notamment la bouche. C'est pour ça que les tout petits mettent beaucoup beaucoup d'objets à la bouche et peut-être les livres. parce que c'est par euh, bah, du coup cette sensation qu'ils vont pouvoir savoir si l'objet est mou ou dur, s'il est chaud ou froid, etc. Et donc pouvoir euh, enregistrer toutes les informations de leur environnement. Après cette phase, on arrive à la phase symbolique. Donc là, c'est pour les enfants de 18 mois 2 ans jusqu'à à peu près 6 ans, qu'on appelle également la phase préopératoire. Donc là, l'enfant, la grande différence, c'est qu'il a accès à la représentation. Donc il peut avoir des images mentales, il commence à imiter, à beaucoup aimer faire des jeux symboliques et à s'intéresser davantage à l'imaginaire et aux histoires. Alors, il y a plusieurs enjeux pour la lecture au tout petit. Notamment si on s'intéresse au côté affectif, le livre va venir s'inscrire dans une relation privilégiée avec un adulte lecteur autour d'une lecture partagée. Le texte qui va être inscrit dans le livre et lu par cet adulte lecteur va porter l'enfant aussi dans son imaginaire ou mettre des mots sur des émotions qu'il est en train de vivre. Il est aussi important pour l'enfant de se familiariser avec cet objet livre dès son plus jeune âge. Plus tôt il l'aura dans son environnement et plus cet objet deviendra un objet du quotidien au fil des différentes années. Au point de vue des compétences davantage cognitives, le livre va permettre à l'enfant d'avoir accès à une syntaxe différente, le langage écrit étant plus structuré et différent du langage oral et également permettant l'accès à davantage de mots. Euh, donc la lecture répétée au tout petit favoriserait l'acquisition du vocabulaire et on sait que cette compétence euh, est également un des prémices aux euh, aptitudes futures et aux apprentissages futurs. Également, avoir accès à ces temps de lecture partagée dès le plus jeune âge permettent d'inscrire le livre dans un temps de plaisir qui permettra au livre d'avoir davantage de dimensions qu'uniquement celles scolaires. Même si l'enfant tout petit n'a pas accès forcément au sens, au sens de chaque mot, au sens de chaque texte, il va par contre être très sensible à ce qui est... Emporté dans la musicalité du texte et également la manière dont le lecteur bénévole va euh, faire vivre ce texte-là. Donc, c'est important justement d'avoir des intonations différentes, euh, d'avoir du coup des rythmes différents pour que l'enfant puisse, euh, bah, du coup, euh, rentrer davantage dans l'histoire. Et il est important de pouvoir travailler justement à un accès à ces temps de lecture partagée à tous les enfants, puisqu'on sait suite à une étude récente que près d'un quart des tout-petits de moins de 3 ans n'ont aucun temps de lecture partagée avec le parent dans l'environnement familial. On se rend bien compte de l'importance euh, du rôle de l'intervenant extérieur pour lutter contre ces inégalités sociales et pouvoir favoriser le développement de chaque enfant en fonction de cette rencontre première avec le livre. Les bénévoles qui souhaitent lire pour les tout-petits peuvent s'orienter vers les crèches de toutes sortes, donc parentales, familiales, d'entreprises, les micro-crèches, les crèches municipales également, donc les RAM, relais d'assistantes maternelles, les PMI, donc les centres de protection maternelle et infantile, également dans les bibliothèques ou ludothèques où ils ont des espaces pour les tout-petits, et dans les jardins d'enfants et halte-garderies. Dans les structures petite-enfance, en général, le livre est très présent euh, par le biais des professionnels qui les utilisent pour, euh, en général, éveiller euh, les petits au monde qui les entoure ou tout simplement de parler de ce qui se passe en eux, les émotions. Et sinon, il y a des bibliothèques dans ces structures, dans les crèches notamment, il y a des petites bibliothèques où les livres sont mis à disposition. Et dans certains départements, à la demande des responsables de, des crèches ou du conseil départemental, il y a des professionnels du livre, donc médiathécaires ou conteurs, conteuses, qui viennent lire des histoires aux enfants. Donc ça n'exclut pas les séances de lecture des bénévoles lire et faire lire, mais au contraire c'est complémentaire et puis il ne faut pas oublier qu'il y a le lien intergénérationnel qui est très important pour, pour les enfants. Soit nous recherchons des, des structures de petite enfance, ou soit c'est elles qui viennent, qui viennent à nous pour accueillir un bénévole lire et faire lire. Donc à partir du moment où le contact euh, s'est fait, une charte des structures sera signée. Pour signer la charte des structures, en général, nous rencontrons le responsable de la structure et également tout le personnel qui, euh, qui travaille dans, dans la structure. Et en fait, c'est ce qui permet d'avoir un accueil super intéressant des bénévoles d'y et parce que vraiment toute la structure, tout le personnel est intégré. Euh, en général, les bénévoles sont un peu réticents quand on leur parle de la structure petite enfance parce qu'ils ont, ils ont peur, ils se disent le plus. Et euh, ne serait-ce que par l'accueil, en fait, ils, ils sont ravis de, de, de lire dans, dans les structures de la petite enfance. Je suis lectrice à lire et faire lire depuis une quinzaine d'années, et je lis en, avec les tout petits depuis six ans, d'abord dans une halte garderie et ensuite en crèche. Alors les tout petits, c'est assez variable. Disons qu'il y a les bébés qui, avant la marche, il y a les moyens et puis il y a les grands. Selon l'âge, euh, évidemment, les, les réactions des enfants sont complètement différentes. Moi, j'ai été extrêmement surprise au début avec les tout bébés de l'espèce d'attention qu'ils ont pour la, la voix. Pour la bouche qui parle. Disons que dès qu'ils entendaient ma voix, alors que j'étais quelqu'un de complètement inconnu, immédiatement leur regard se tournait vers moi et j'avais l'impression d'être l'objet d'une attention extraordinaire. Et ça, c'était très précieux pour moi parce que je le prenais comme adressé à ma personne, euh, même si évidemment c'était une réaction, disons, habituelle euh, à la voix humaine. Pour les plus grandes de la crèche, ils ont déjà une habitude. Euh, je ne peux pas dire de groupe, mais parce que ils sont pas encore dans un vrai groupe comme ils pourront le, le faire à la, à la maternelle. Mais par contre, euh, ils ont déjà des habitudes collectives. Ils peuvent euh, s'asseoir ensemble. Ils ont des réactions par rapport euh, les uns par rapport aux autres. Et disons déjà. Euh, je peux les considérer un peu comme euh, des plus grands. quant aux moyens, eh bien, ils sont un peu intermédiaires. Euh, c'est un âge où, évidemment, ils apprennent en psychomotricité, ils apprennent en langage, et on les voit changer. c'est ce qui est très gratifiant pour le lecteur. Ils ont besoin aussi de. Ils ont envie de, de courir, de se déplacer. Alors c'est à moi de, de gérer ça. Ils ont gardé cette espèce de curiosité extraordinaire des enfants par rapport aux livres, par rapport à, à mon arrivée, à ce que j'apporte. Euh, donc à moi d'utiliser ça pour faire qu'ils viennent s'asseoir et qu'ils aient euh, un moment d'écoute. Euh, je suis très aidée par la personne de l'équipe ou les personnes de l'équipe qui sont là et qui, euh, disons, qui m'accompagnent. Chez les grands, ils viennent euh, s'asseoir et moi, je m'assieds sur une chaise en face d'eux. Chez les tout-bébés, euh, dans la crèche où je suis actuellement, ils sont au sol sur des tapis, avec des coussins, avec euh, des coussins ronds qui les maintiennent, qui les contiennent. Et euh, donc moi, je vais avec eux. Je vais avec eux sur le, euh, sur le tapis, euh, ce qui n'est pas tout à fait la position des professionnels de l'équipe eux sont sur des chaises un peu plus loin euh, ou debout ou... mais disons que au fond je me mets dans une place un peu intermédiaire euh, donc euh, ben, il, faut, il faut que je puisse m'asseoir euh, éventuellement euh, je ne peux pas dire m'allonger mais en tout cas me, me baisser parce qu'ils sont au sol ce sont les adultes et professionnels qui ont la responsabilité des enfants euh, et en ce sens, euh, moi, je respecte beaucoup la manière dont ils vont se positionner. Disons que j'ai un principe euh, pour moi, pour mener la séance, qui est que dans un premier temps, euh, je lis un livre, deux livres, au groupe, euh, même chez les tout-bébés. Ensuite, je sors d'autres livres de mon sac qui sont à la disposition des enfants, parce que je crois beaucoup que si on veut faire quelque chose, à cet âge-là, il faut absolument un contact personnel et individuel. Quand j'ai affaire au groupe, je, je tiens compte de ça. J'essaye de regarder chacun. J'essaye euh, de faire un geste à celui qui se manifeste pour montrer que je le vois et que je tiens compte de lui personnellement. Euh, si j'avais un conseil à donner, c'est d'être patient et de jouer avec le temps. Je crois que c'est important dans la séance elle-même de ne pas d'attendre que l'enfant trouve sa place dans l'activité. C'est important, disons dans le dans le déroulement finalement de l'année ou des années, euh, les choses se construisent petit à petit. Je crois que le principal c'est d'être naturel et d'être soi-même. Lire aux tout-petits, on s'adresse aux enfants de 0 à 3 ans, euh, principalement dans les structures petite enfance comme les crèches et les haltes garderies Ce qu'il faut voir, c'est euh, quel est l'âge des enfants à qui on lit une histoire. Parce qu'entre 0 et 3 ans, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un tout-petit. Et euh, un petit de 0 à 1 an n'est pas euh, comme un petit qui va avoir ses 3 ans. Donc on ne lui lira pas les mêmes choses euh, en fonction de ce qu'il est capable d'entendre, de voir, de euh, ses facultés cognitives, de vision, etc. Pour les plus petits, on va euh, privilégier les, les lectures euh, courtes, évidemment, très contrastées, euh, du type de Tana Oban, par exemple. Euh, on va également essayer d'aborder de, des, des histoires musicales chantées. Euh, carrément chanter avec les tout petits, il faut pas hésiter à faire ça. Euh, on pourra utiliser la collection euh, Pirouette euh, chez Didier Jeunesse euh, avec une série de comptines euh, la plupart du temps bien connues par, vos, par les bénévoles. D'une manière générale, pour les tout petits, les sonorités du texte euh, et la musicalité du texte est très importante. Euh, avec tout ce qui va être contine évidemment mais également avec des petites histoires euh, qui vont euh, euh, avoir des répétitions des sonorités intéressantes il euh, y a par exemple la collection euh, bon pour les bébés de, de Thierry de Dieu euh, qui a été lancée récemment on va aussi puiser dans les livres à surprise euh, les livres avec des rabats les livres pop-up comme les livres d'Annette Tamarquin euh, aux grandes personnes les livres à toucher pour les enfants autour de six mois, quand ils commencent à être assis et qui recherchent des expériences tactiles. Euh, Mandarine la petite souris aussi, chez Albin euh, Michel Jeunesse. Pour des enfants un petit peu plus grands, euh, les premières histoires hein, qui peuvent être très courtes, euh, très rythmées, qu'il faut aussi se mettre en bouche, euh, qu'il faut aussi faire chanter la plupart du temps pour capter leur attention. Pour les plus petits, on pourra utiliser euh, Pom 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 chez Thierry Manier, qui justement euh, joue autour de ces sonorités. Euh, la chasse à l'ours, qui est un grand classique avec une, une ritournelle euh, qui revient régulièrement dans le texte et qui structure le récit, qui peut aussi être d'une certaine manière chantée. Euh, alors dans la catégorie imagier, Premier documentaire, Découverte, qui s'adresse aussi aux tout-petits. Euh, il y a tous les ouvrages de François Delbecq, aux grandes personnes, avec des petits volets à ouvrir, à découvrir. Euh, C'est finalement assez proche aussi des livres, des livres à surprise. Euh, dans la catégorie des livres tactiles, donc pour les enfants déjà un petit peu plus grands, tous les livres d'Émile Jadoul, chez Casterman Jeunesse, sont très intéressants. Il y a toutes les histoires très classiques que vous trouverez en bibliothèque, mais qui ont fait leur preuve, euh, comme Abois-Georges, comme euh, La chasse à l'ours, comme euh, euh, Beaucoup de beaux bébés pour les plus petits. Par rapport aux capacités qu'ont les enfants entre 0 et 3 ans, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'albums qui vont avoir euh, une ritournelle, des répétitions qui sont dans ce texte. Euh, les comptes randonnés, par exemple, Quel radis dit donc euh, aux éditions Didier Jeunesse qui va euh, répéter quelque chose régulièrement et l'enfant va attendre cette répétition. Mais on peut aussi euh, répéter des lectures aux enfants. Ils aiment aussi réentendre la même histoire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parfois beaucoup de fois, comme lecture un petit peu différente et, mais nécessitant euh, un apprentissage aussi et un petit peu de matériel. On peut introduire en crèche, d'ailleurs elles sont assez répandues, répandues en crèche, les lectures en kamishibai. Donc le kamishibai est un petit castellet en bois d'origine japonaise euh, qui permet de raconter des histoires qui sont euh, en fait euh, illustrées côté public sur une planche et à l'arrière de cette planche, le texte est inscrit pour le, le lecteur en fait. Donc ce petit castelet de bois, ce petit kamishibai permet un dispositif en fait de lecture assez inédit, que souvent les tout petits ne, ne connaissent pas ou peu, sauf dans les crèches où, où ça a été déjà mis en place. Euh, ça s'adresse aux enfants, aux tout petits à partir de six mois, puisqu'il faut qu'ils soient assis. Il faut que ça puisse être un, un groupe installé sur des coussins face euh, au castelet euh, derrière lequel se trouve le lecteur. Il y a quelques histoires qui sont adaptées euh, au moins de trois ans. C'est pas la majorité des histoires, mais les bibliothécaires peuvent euh, Peuvent aisément vous conseiller sur le choix de ces histoires. Ce qui me semble important, c'est d'avoir bien préparé sa lecture. Donc, en fonction de l'âge des enfants qui vont être présents, en fonction de ce qu'on a envie de lire, ce qu'on aime, ce qu'on a testé euh, en demandant conseil aux bibliothécaires auparavant, en allant chercher des albums, en sélectionnant un grand nombre d'albums qu'on va tester tranquillement chez soi euh, pour ensuite les, les proposer aux, aux enfants dans, dans la structure. Il y a certains ouvrages, euh, en revanche, qui vont être plus fragiles, comme les livres pop-up, les livres avec des tirets, des choses un petit peu euh, particulières, des objets-livres plus artistiques, plus rares. Pour ces livres-là, euh, l'idéal étant quand même de faire une présentation au groupe d'enfants, pourquoi pas de permettre aux enfants, les uns après les autres, de venir euh, bouger quelque chose, tirer quelque chose, manipuler quelque chose, mais d'être un petit peu plus prudent euh, pour des ouvrages plus fragiles. Les comptines et jeux de doigts, quel que soit l'âge des enfants, euh, ça marche. Ça peut aussi rythmer des séances euh, où vous présenterez des albums, lecture d'albums, ensuite petites chansons, petites contines ou petits jeux de doigts. La fascination euh, des enfants pour les mains, euh, les mains des personnes qui s'occupent d'elles, les mains des professionnels des crèches, les mains des bibliothécaires, les mains des bénévoles, elle est immense. Euh, donc il y a des livres d'ailleurs qui euh, sont basés sur cette fascination, comme dans Le gant de Ponty qui est un classique pour les tout-petits. Vous pouvez euh, vous entraîner à, à faire des petits jeux de doigts. Vous pourrez trouver pour ça des, euh, des vidéos ou des ouvrages euh, en bibliothèque hein, qui vous expliqueront euh, quels jeux de doigts sont adaptés pour quels âges. Ils peuvent être accompagnés de petites chansons, de petites ritournelles, qui bien souvent sont connues par les enfants dès qu'ils sont en moyenne ou grande section de crèche. Et ils pourront reprendre, euh, reprendre ces petites chansons avec vous. On, on pratique souvent en fin de séance. Euh, dans les structures, une petite chanson pour se dire au revoir avec les enfants qui peut être accompagnée de petits gestes, petites chansons à gestes, petits jeux de doigts comme Mon âne, comme Une poule sur un mur, comme différentes choses qui ont aussi bien une chanson que des gestes, des jeux de doigts. En collectivité, généralement les temps de lecture vont se passer en groupe. Donc le tout petit, pour se vivre en groupe, déjà, les enfants ne doivent pas être trop nombreux dans le groupe. Hein. Plus l'enfant va être grand et plus il va être en capacité de s'inscrire dans un groupe. Toutefois, chaque séance doit être pensée en amont et organisée en amont. Pour ce qui est de l'espace, euh, il est très intéressant que les séances se passent toujours au même endroit et que ce soit un lieu qui soit repéré par l'enfant. Donc ça peut être le cas par un marquage, par un tapis au sol et de rendre ce lieu plutôt confortable, plutôt douillet avec quelques coussins pour inviter l'enfant à s'y asseoir et à s'y intéresser. Hein. En créant du coup un cadre chaleureux, on aura davantage déjà euh, accès à l'attention de l'enfant. Pour ce qui est de l'organisation, il est aussi intéressant que les petits soient installés au sol pour qu'ils puissent être libres de leur mouvement. Euh, on a vu l'importance de l'oralité pour les tout-petits. Donc certains enfants vont vouloir aller toucher le livre, aller peut-être le porter à la bouche, aller tourner les pages. Et ce contact physique avec l'objet chez l'enfant de moins de 3 ans est essentiel. Bien sûr, il est à encadrer et à organiser par le lecteur adulte, mais il est euh, fondamental pour le développement du jeune enfant. Pour ce qui est du choix du livre en crèche, il est important aussi d'avoir une rythmicité et d'avoir une répétition dans les livres. On l'a vu aussi que le livre va porter l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre, peut-être la séparation, peut-être voilà une difficulté avec l'arrivée d'un grand frère ou d'une petite sœur. Bah du coup, de retrouver ce livre à chaque séance, ça va lui permettre aussi lui de travailler des troubles ou en tout cas des conflits internes et de pouvoir trouver des réponses aussi à ces angoisses-là. Il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres enfants ou d'autres petits personnages de livre qui peuvent vivre ces situations-là. Pour ce qui est de l'organisation temporelle, il est toujours intéressant que la séance se passe toujours au même moment de la journée. On a vu que l'enfant tout petit va construire le temps, mais il ne le construit pas de la manière dont nous nous le pensons. Il le construit par étapes. Il va avoir le temps de l'accueil du matin, le temps du verre d'eau, etc. Et euh, ce temps de lecture, s'il arrive une fois le matin, une fois l'après-midi, bah ça peut empêcher l'enfant d'avoir une attention active. Donc, il est intéressant bah, que ce soit toujours au même moment et que la durée puisse s'adapter euh, aux compétences attentionnelles des enfants. Une séance au-delà de 10 minutes, ça peut pour certains groupes d'enfants être difficile. Toutefois, il ne faut pas prendre euh, les déplacements des enfants comme euh, forcément une marque de désintéressement. Un tout petit, euh, notamment dans le stade sensorimoteur, va euh, enregistrer l'environnement par la motricité. Donc peut-être qu'il va se lever, peut-être qu'il va vouloir se déplacer, peut-être qu'il va vouloir venir sur vos genoux, mais ce n'est pas un signe de désintérêt de la lecture, mais plutôt un signe qu'il est en train d'en travailler quelque chose. Il est tout aussi intéressant de ritualiser les séances de lecture partagée avec une petite euh, petite comptine une petite chanson au démarrage, mais également une petite scénette de fin pour que l'enfant puisse aussi comprendre le début et la fin de cette séance de lecture partagée. Donc ces euh, rituels doivent être très courts, ce peut être une petite chanson, ce peut être une, un petit mime, ça peut être un petit son ou une petite clochette, ou en tout cas euh, tout ce qui permettra à l'enfant d'acter le début et la fin de la séance. Alors ce que Joël Turin dit et qui se prête tout à fait à la lecture au tout petit, c'est qu'il faut faire vivre l'individu dans le groupe. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire des lectures à chaque enfant, mais ça veut dire que quand je lis un livre à, je ne sais pas, 5, 6 enfants qui sont devant moi, il faut que je puisse montrer à cet enfant-là que j'ai une attention particulière. Euh, sur lui. Donc, ça peut être par un regard, ça peut être par euh, une mimique, ça peut être par un geste de l'appeler s'il est en train de partir. Et c'est ce qui permettra à cet enfant de se sentir rattaché euh, au lecteur qui est en face de lui et de pouvoir euh, continuer à être attentif à l'histoire qui lui est lue. Mes ressources à moi, elles sont personnelles, mais évidemment, ça n'est pas le cas de beaucoup de bénévoles. Donc je leur conseille d'aller dans les bibliothèques locales qui ont des rayons jeunesse souvent très bien achalandés, avec des conseils qui peuvent être donnés par des professionnels. Après, il y a aussi les formations. Les formations, quand on fait des formations pour les futurs lecteurs bénévoles dans des structures petite enfance, on leur donne aussi un certain nombre de pistes avec par exemple des auteurs qui sont vraiment très pointus pour les petits euh, il y a évidemment accès qui s'occupe essentiellement des petits justement qui a une philosophie euh, par rapport à la lecture aux petits donc c'est un, un, une bonne ressource. Et puis il y, a les, il y a les albums qui sont conseillés aussi par le comité de lecture de lire et faire lire, bien sûr. La bibliographie thématique, effectivement, du centre national de, du livre pour la jeunesse, qui est une très bonne ressource, euh, qui est souvent relayée par le site national de lire et faire lire. Donc que les bénévoles peuvent consulter relativement facilement. Parmi les ressources également très utiles, il y a le site Ricochet qui en plus donne beaucoup de renseignements à la fois sur les thèmes, sur les âges, sur les auteurs et qui est effectivement une très très bonne ressource. Il y a également la plaquette éditée par l'UNAF pour Première Page qui est une très bonne ressource également. Alors nous avons aussi des ressources intéressantes dans les salons locaux. Sur Paris par exemple, c'est le salon de Montreuil avec une richesse incroyable, et puis des, des éditeurs de toutes sortes, qui ont eux-mêmes d'ailleurs des sites qui peuvent éventuellement euh, proposer des, des sélections par âge. Et je pense que c'est aussi très utile pour les tout petits de voir la, la richesse qui existe au niveau de la lecture pour les tout petits.